Bonjour la famille. Alors aujourd'hui, on est avec une nouvelle production. C'est ce qu'on appelle de l'afrotone, c'est-à-dire du reggaeton mélangé avec de l'afrobeat. Voilà, il y a des percussions afrobeat, il y a également un rythme reggaeton à l'intérieur, donc ce qui donne de l'afrotone. Voilà. C'est une composition que j'ai commencé et je suis en train de composer. Je suis à un bon niveau de la composition, je suis dans les finitions presque. Et il reste quelques instruments à ajouter. Voilà. Vous allez me donner votre impression, on like, on partage et on s'abonne si on ne l'est pas encore. Voilà. Donc, je vais sélectionner ici tout le projet, histoire de le faire jouer en synchro et totalement. Voilà. Donc, il y a une intro ainsi de suite. Alors, comme vous pouvez bien le constater, il y a une grande différence au niveau de la sonorité parce que, en fait, j'ai changé de logiciel. Je suis passé de GarageBand pour Logic Pro. Voilà. Donc, Logic Pro, c'est la version la plus avancée et c'est vraiment plus professionnel, comme le dit le nom Logic Pro. Voilà. C'est vraiment un rendu professionnel. Les guitares, le piano, les percussions, c'est vraiment au niveau de la compression, au niveau de la dynamique, au niveau. Voilà. Tout est vraiment propre. Et voilà quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de professionnel. On va passer à une version plus professionnelle, des compositions plus professionnelles au niveau de la sonorité. Et donc voilà, donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut faire vraiment du lourd ce projet? Ou pas? Voilà, j'attends vos avis dans les commentaires. Merci. On écoute. Voilà, donc c'est un son vraiment très important pour moi parce que c'est une ancienne composition, un chant que j'ai écrit il y a de cela plusieurs années. Et je me dis toujours que dans la manière dont je compose les chants, il est vraiment important pour moi de restituer l'esprit dans lequel j'ai composé dès le départ. Et pourquoi je me lance en production? Ben, c'est bien sûr pour répondre à cet objectif-là, c'est-à-dire de composer des chants au départ et de pouvoir les avoir à l'arrivée tels qu'on les a conçus ou de façon corrigée. Mais que ce ne soit pas vraiment une musique que voilà, aléatoire ou du genre tu composes et puis c'est quelqu'un d'autre qui vient jouer avec sa propre création, avec ses propres accords, avec sa vision de la chose. C'est vraiment pas original. Et donc je me suis dit, il faut que je me lance en production et le logiciel que j'ai choisi, c'est bien évidemment GarageBand pour commencer. Voilà, et vu que je travaillais déjà sur d'autres logiciels, notamment Cubase, notamment FL que je ne maîtrise pas, mais je me suis dit, il faut que je trouve un logiciel qui vraiment correspond à ma manière de voir les choses, à ma manière de composer, à ma manière d'écrire la musique. Et justement, GarageBand a été un logiciel qui a vraiment répondu à cette attente parce qu'il correspondait beaucoup à Mixcraft, qui est un logiciel que j'utilisais à l'époque.
Et là, maintenant, je suis passé sur la version la plus avancée, c'est-à-dire Logic Pro, qui est la version la plus aboutie de GarageBand. Vous avez beaucoup d'instruments, des instruments plus aboutis, et vous avez une compression, une dynamique beaucoup plus arrangée. Donc, voilà, je vais remettre le titre et je vais désormais maintenant l'interpréter en quelques strophes. Et voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour voir comment ça sonne avec la musique et les paroles. Go! Tú me vas a ver de pecador, pero no quiero contestarte. Miro en la cruz, hay sangre roja, en esa yo me acredito. Necesito su gracia para vivir hasta siempre en este mundo. Cuando venga la noche y la tempestad, siempre tendré un refugio. Jesús me salvó, Jesús me sanó. Con su muerte a la cruz me corrigió. Pero me vino a despertar a la vida. Nunca podrás temer de su gracia si tú cuentas con tu fuerza. Tú no podrás tener la salvación si no sigas su dirección. Él es toda cosa para mí y fiel amigo del Calvario. Hasta siempre en mi vida se comprometió y me dio la salvación. Jesús me salvó, Jesús me salvó. Con su muerte en la cruz me convirtió, pero me vino a despertar. Voilà, c'est un peu ça le chant et merci à tous de liker, de s'abonner, de partager et surtout de nous laisser vos impressions. Merci également de regarder nos vidéos parce que ça apporte beaucoup de soutien au travail que nous faisons. Ça prouve qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que nous faisons et merci à tous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour ce projet. Nous allons le travailler, l'aboutir, faire en sorte qu'il soit beaucoup plus arrondi et beaucoup plus dynamique au niveau de la résonance des instruments. Donc, restez connectés parce que ce projet, je vais le poser. Donc, en fait, actuellement, je suis en train de travailler sur un album. Voilà, donc je vais débuter par la publication d'un single. Mais l'album, à la fin de cette année, normalement, j'aurai bouclé tout le projet. Et voilà, j'espère que j'aurai le temps et la force de pouvoir le faire avant la fin de l'année et de boucler tout le projet afin de le publier sur les plateformes, partout sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez écouter et partager avec vos amis. Merci à tous de me soutenir. Merci à tous de soutenir mes projets. Merci à tous de soutenir ma chaîne. Je vous dis ciao et à très bientôt.